voilà, quelques heures plus tard, enfin quelques heures, il est 16h14. Je vais aller faire un petit tour à terre. Et on va aller découvrir cette belle ville de Solaire. Bon, apparemment, ici en bout de ponton, on peut mettre les annexes. Et on peut les attacher, ce qui est très bien. Voilà. Voilà, premier pas à terre. Alors ici, ils ont un tram. Alors la promenade fait le tour de la baie. Dans les hauteurs, le lieu est tout simplement magnifique. Quelques images de Porto Solaire. La petite ville est à 4 km, donc Solaire est à 4 km de Puerto de Solaire, du port de Solaire. Le mouillage est pas si vaste que ça. Comme c'est un lieu touristique, évidemment, même au mois de mai, la baie est assez chargée. Le lieu est vraiment paisible. C'est vraiment super tranquille et c'est vraiment un coin à faire quand vous faites une traversée de l'Espagne par exemple jusqu'au Baléares. C'est une bonne option. Ensuite, pour l'instant, Minorque est plutôt sous l'effet de tram et de Mistral, donc je vais attendre que ça se calme un petit peu avant de mettre le cap vers Minorque. Ah non, je travaille pas.
Je travaille, enfin je travaille, j'appelle pas ça du travail. J'appelle ça du plaisir. Tangaroa, Stéphane. Et je m'excuseras, je connais pas ton prénom. Sonia. Hop. Je viens de préparer un tecum. Pour un départ un petit peu en urgence, j'aurais préféré prendre plus mon temps. Mais depuis hier, la houle rentre dans la baie à fond la caisse. On avait 1,50 m hier, bon poids. Évidemment, le bateau se met en travers. Alors, j'ai pu me dépanner avec le bateau qui est ici, qui est accroché à une bouée arrière, à m'accrocher à sa proue pour que le bateau reste dans l'axe de la houle. Mais là, ça devient intenable. Je peux pas rester accroché à son bazar. Regardez-moi ça. C'est invivable. Donc, on prend la mer. Je sais que là-bas, ça va pas être un rond. Et on verra bien. De toute façon, rester ici, c'est pas une meilleure solution toute la journée à se faire balader comme ça. On quitte donc le port de Solaire. Et quand vous avez un fort vent d'ouest, et ben voilà. La baie n'est plus du tout un grand lac tranquille. Goodbye Porto Solaire, eh bien, c'était une belle petite escale, mais quand la houle rentre là-dedans, et ben c'est intenable. Je pense qu'on va se faire brasser. La mer est chiffon. Alors cette côte ouest de Majorque est vraiment superbe en partant de Solaire et en allant vers le nord. Alors nous approchons le cap de Formentor. Donc le cap de Formentera. Le comportement de la mer, c'est beaucoup plus sympa. Ouh là là, plus rien à voir. Par rapport à tout à l'heure, je ne sais pas si on voit bien la différence entre les images de tout à l'heure et les images de maintenant. Beaucoup moins contrarié. Alors que juste il y a encore un quart d'heure, elle était toujours très contrariée. Et voilà, après 7h40 de route, on approche sur le bouillage d'Alcudia. Côté du bord. Évidemment, c'est moins joli que le petit port de Solaire où on était, mais au niveau de la houle, je devrais passer une bonne nuit cette fois-ci. Bon, là je suis bien accroché, ça peut souffler, mais bon, j'ai pas envie que ça souffle. Il y a de la place, hein. Tu vas jusqu'au bout là-bas. Bon voilà, je viens d'arriver du bateau, je suis rentré dans le port d'Alcudia et tout de suite à la station de service ici,
Il y a possibilité de mettre l'annexe et de monter et de décharger éventuellement ses petites affaires. Et on va aller en balade. Et voilà, Miss Trottinette est rangée. Et nous avons fait 32 km. Et c'est pas si mal que ça ici. Il y a une Ironman qui va se dérouler. Alors je pense que je vais voir le départ. Je sais pas quand est-ce que ça va être, mais il passe ici là. Eh bien, bravo à eux. Ça fait du monde dans l'eau, hein. Et cet Ironman de Alcudia, franchement, à la tire du monde, parce que ça fait maintenant plus de 40 minutes que les gens se mettent à l'eau et ça continue. Eh bien, ce soir, nous faisons une petite soirée pancake.